Hey, bonjour à tous et à toutes. C'est normal. Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Ça passe sur YouTube. C'est pour vous dire qu'il y a une bombe qui arrive. Une bombe qui arrive tout à l'heure. Actuellement, je parle en français. Après, je vais parler en anglais. Parce que je n'ai pas le temps de traduire rapidement. Et je vais faire deux vidéos. Voilà. Je vais faire deux vidéos en français et en anglais. Après, je m'en pour un peu activer mon YouTube parce que la canne est là et je suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis quelque part. Vous le savez, mais vous ne savez pas parce que tu peux pas me voir. Il faut m'appeler. C'est mon numéro qui ne passe pas. Big up à Magic System. Et donc, je suis en train de manger quelque chose que j'ai fabriqué. Voilà. Ce verre, c'est le poulet sur le Nigeria. Ah bon. Donc, il faut être rassemblé et pouvoir bâtir quelque chose. Un peu. Ouais. Faut éviter ce genre de cheveux parce qu'en ce moment Chimène il est la face de l'Afrique. Il n'y a pas un joueur africain en ce moment plus talentueux que Chimène au Nigeria. Il n'y en a pas. Donc, nous tous nous savons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Qui a en son sein des tanks et aussi des œufs plus gros que ceci. Mais ce n'est pas seulement qu'au Nigeria, qui a des fusées. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des avions. Et il y a des avions Trump Air Force One, oui, il y a Air Force One Trump. C'est-à-dire que quoi, hein? Dehors c'est le noir et dedans c'est de l'or. Un peu, nah, je suis là, venez me voir. Donc, évitez ça, on parle de la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique est à Abidjan, moi je voulais aller, je serai là, mais c'est vraiment, fâcheux, c'est vraiment, je suis vraiment déçu. Que je ne sois pas à Abidjan. Là, si j'étais à Abidjan, je vais vous dire ce que je vais faire. J'allais être d'abord dans la phase présidentielle. Et après, j'allais être à côté du stade. Tu vois, je salue les joueurs. J'allais partir voir Drogba d'abord. Parce que, oh mais, tu vois, c'est chez moi. Donc, dès que j'arrive, je ne m'assois pas pour appeler Drogba. Tu vois, voilà, non. Alors, même si c'est comme ça, tu vois, non. J'appelle Drogba. Ou bien je vois mon ami, Vincent, je m'en vais. Je joue avec Vincent jusqu'à ce que Drogba vienne. Hein? C'est comme ça qu'il faut faire. Hein? C'est le respect. C'est le respect qui a fait que toutes les stars africaines ont réussi en Europe. C'est le respect qui va faire que toutes les stars vont jouer en Afrique comme Balotelli a dit. Ouais. Ouais. C'est le respect qui va faire. C'est pas de l'argent. Parce qu'une star est au-dessus de son pays, partout, en Europe ici, c'est le respect. Même les LeBron James, là, tout le monde, tu vois. Ils sont au-dessus, mais c'est le respect qu'ils font, qu'ils viennent. C'est la population. Ils veulent motiver, ils veulent inspirer. Tu vois un peu, ils veulent inspirer. Ah, c'est très bloqué mon inspiration, ok. Donc, je remercie la Côte d'Ivoire, le président Lassane, de pouvoir placer et organiser la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Après, ce sera la Coupe du Monde, mais pour la Coupe du Monde, il faut que Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Kalou, Kessié, Tizier Jean-Jacques, Copa Barry, Boca, Bailey, Aurier, Aruna Dindani, tu vois un peu, Gadi Seli, et then,
comment il s'appelle encore, Tizi Jean-Jacques, je dis ça, oui, et puis encore les nouveaux Fofana, tu vois. Il faut que tout le monde se rassemble. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un. Non, non. Tout le monde se rassemble. C'est le sport. Vous créez des stades dans vos villages. Oui, c'est moi, ça marche. C'est qu'une seule personne, Drogba, construit 2-3 stades à Gagnoua. Yaya Touré à Korogo, Touré et Colo à Kachula, et puis à Runa Dindan, tu vois. Et puis Kalou Bonaventure à Boaké, qui fait à Yamsopro. C'est tout. Tout ce qu'on a besoin. Mais vous demandez à vos géants de faire des stades. Tout ce qu'on a besoin. Parce que, tu vois, le stade, c'est l'organisation de la CAN. Merci à d'abord au président. Je voulais être là, mais je ne suis pas là. Mais je remercie aussi l'Égypte, le Sénégal. Nous devons nous mettre derrière notre frère. Oui. Nous devons nous mettre derrière notre frère. Oui. Pour le lever. Parce que nous avons vécu... qu'on appelle ça même la méchanceté. Nous avons vécu le racisme. Nous avons vécu plein de choses en Europe. Nous avons été acceptés par l'icône Louisa qui a joué comme un singe à Manchester United. Ouais. C'est ma star. Donc, il faut que tout le monde, Drogba, Adebayo, Okocha, donc je disais Drogba, Adebayo, Aubameyang, et Okocha, oui, and then Essien, right, Essien, and then John Obi Mikel, and then tu vois Yaya Touré, and then Cessignon, and then tu vois un peu Sala, and then tu vois tous ces stars là, Jackson, je ne sais pas ce que vous voyez un peu, Rugo Besson, Eto'o, je vois un peu, il faut que je sois un peu relax, Mbouma, je vois un peu, George Weah, tu vois un peu, faut que je sois un peu relax, regarde encore. Tous ces stars là, je suis désolé si je ne sais pas appeler d'autres personnes. Ayou, tu vois, le frère Ayou, tu vois un peu, c'est le Ghana. Et le Burkina avec mon gars, je suis désolé, mais il y avait un autre. Le Mali avec Seydou Keïta. Le Burkina avec, putain. Ce gars-là, ce gars, il était bon. Je suivi par toi, mon gars. Oh, ok, je suis désolé pour toi, j'étais dans ma tête. Mais, j'étais toujours là, je suis ton nom. Et puis après ça, il y a plein de stars. En Afrique du Sud, tu vois, Chabalala. Tu vois, donc. Pour ne pas vous mentir, nous devons nous mettre derrière notre jeune frère pour l'éduquer, pour l'amener déjà en haut parce que un stade, il était vraiment plus fort que il était plus fort que tout le monde. Voilà. Et ça, c'est pas lui seul qui a fait, c'est Salah qui l'a aidé. C'est-à-dire que sans le savoir, Salah a fait grandir Mané. Voilà. Parce que Salah a une histoire derrière lui. Tu vois un peu? Voilà. Salah. Il vient de l'Égypte. L'Égypte est la plus grande nation au monde concernant l'invention. L'invention de tout.
L'invention de la technique, l'invention de la philosophie, l'invention des pyramides, l'invention de l'intelligence, l'invention du physique, l'invention de la grandeur de l'Afrique, l'invention de partout. C'est que eux, ils sont uniques, mais ils sont en Afrique. C'est pas possible. Tout le monde doit aller en Égypte. Voilà, je vais expliquer un autre truc après. Mais moi, je dis à tout le monde que l'Égypte devait aller en Coupe du Monde. C'était le moment, en fait, c'était le moment de l'Égypte de conquérir l'Afrique tout entière et l'Europe. Voilà. Parce que l'Égypte pouvait conquérir l'Afrique et le monde. Mais ils ont décidé de rester et de se concentrer et d'étudier leur terre. Oui. Ils sont restés, ils ont étudié leur terre, ils ont bâti quelque chose de nouveau, incroyable. Voilà, de nulle part. Voilà. C'est-à-dire que quoi? Tu vois le désert, tu penses que c'est une malédiction. Tu vois, alors qu'ils ont réfléchi, ils ont dit que Dieu ne peut pas maudire quelqu'un, Dieu ne peut jamais le faire. Donc, ils ont vu le côté que Dieu leur a donné, le positif et... Ouais, ils sont devenus des phénix. Donc, c'est ça. Donc, sans le savoir, je vois un peu. Tu vois, déjà, tu vois ça là, tu sais que c'est un roi égyptien. Tu n'as pas besoin. Mais le Sénégal, il faut aller dans l'histoire des grands empires. Mali, des grands empires. Soso, des grands empires de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Oui. C'est en allant là-bas qu'ils se déstabilisaient. Et après, quand tu es faible, c'est comme ça, tu vois, c'est pas difficile à comprendre. Même quand tu es jeune, tu comprends. Voilà, tu t'assois parce que tu es le bon professeur, ils te prennent et puis tu mets ça dans ta tête. Tu vois, voilà, ça va. Même si tu es un peu bête, assourdi, un peu rigoureux, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'étais un peu rigoureux, je suis quelque chose. Voilà, donc c'est ça. Donc sans le savoir, l'Égypte a soulevé Mali. Tu vois, mais il s'est énervé, il n'était pas professionnel, non. Lorsqu'il s'est énervé, il n'est pas professionnel. Ah. Donc, il est reparti. Mais le meilleur joueur de Liverpool en ce moment, c'était Bobby Firmino. Oui, voilà. Le meilleur joueur de Liverpool cette année, c'est Bobby Firmino. Voilà. Personne ne le voyait. Mais moi, je vois comme ça, c'est en fait... Par lui, toute l'équipe était grande. Oui. Lui, c'est un Brésilien. Il a Pelé, il a Ronaldo. Et le football, il est né avec ce sport. Voilà pourquoi il a arrêté. Tu vois pas? Il a arrêté. Tout le monde dit, il ne court pas. Tout le monde dit, il ne fait pas ça. Mais lorsque Salah lui donne la balle, qu'il remet à Salah, c'est Bobby Firmino, on montre jusqu'à la fin du temps. Parce que il a une facilité de mobiliser le jeu très rapidement malgré sa lenteur. Ouais. Malgré sa lenteur. Ouais. Partout dans le jeu. Voilà. C'est-à-dire que il a décidé d'être lent pour blanchir tous ses amis. Il vient du Brésil. Lorsqu'il fait un petit truc, on se rappelle de tout le monde. C'est pas normal, tu vois pas. Voilà. C'est-à-dire que quand il fait comme ça, un crochet, on dit Ronaldo. Quand il fait ça, on dit Ronaldinho. Quand il fait ça, on fait parler. Donc lui, sans le savoir, il les a boostés là-dedans. Voilà. Donc quand eux, les deux ont commencé à se chamailler, je le sais. Donc c'est ça. Il faut que Drogba revienne. Voilà. Ce n'est pas possible qu'un joueur comme Drogba laisse sa femme, je vois, et deux enfants, non, c'est pas possible. Voilà, je vois un peu, voilà. Ta nouvelle femme, c'est une Européenne, et ils s'en foutent. Je la prends, c'est ce que moi je vais faire, yeah. Pas problème, je vais faire ça. Non, yeah. Voilà. Maintenant, quand il y a quelque chose, tu peux couper un peu, je reviens, voilà, mon frère. Eric, faut prendre. Voilà. Faut prendre la marraine. Fais un peu. Voilà. Tu n'as pas à regretter. Il faut parler à ta nouvelle femme. Je l'ai accepté parce que
tu l'as accepté. Il n'y a pas de problème. Même s'il est un peu con, il y a faux. Tu vois, ça a formé la cohésion là, mais il faut parler. C'est pas la peine. Voilà. Donc, on va parler de ça. Donc, la Coupe d'Afrique, j'ai manqué. Je suis désolé, je vais manquer. Sur les réseaux sociaux et tout, je vais manquer. Parce que j'ai de l'organisation à faire, je suis désolé. Maintenant, si ma femme arrive, je vais pouvoir parler avec elle sur son TikTok, il n'y a pas de problème. Oh, sur le TikTok qu'elle a créé pour moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, après, je suis en train de faire un travail. Je vais finir ça, faire tout. Puis lorsque c'est bien, on lance. Parce que ça prend du temps, parce que je veux ça sur 5 ou 10 ans. Voilà. Donc, la Coupe d'Afrique, ça là a manqué la Coupe du Monde, je suis désolé. Parce que l'équipe de l'Égypte a la meilleure organisation. Voilà. Lorsque tu le vois là, c'est maintenant qu'on en parle leur nom. Mais quand j'ai grandi, j'ai vu qu'en Europe, on ne connaissait pas aussi leur nom. Oui. Mais tout le monde regardait. C'est-à-dire que quoi? Cristiano Ronaldo, il a regardé sur l'Égypte. Oui. Pour devenir comme là. Tout le monde regarde sur l'Égypte. Oui. Le Cameroun regarde sur l'Égypte. Mais le Cameroun a créé une sorte de maillot que tout le monde entier a pu utiliser. Parce que Eto'o, Samuel Eto'o, était international. Il est international. Donc, il faut arrêter d'envoyer le cuir de ton petit frère partout en train de danser en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas besoin de ça. Eto'o n'a pas besoin de son frère pour danser. Eto'o est partout, même dans les petits couloirs, même chez moi au village. C'est-à-dire qu'il y a un petit quai à Zokolile, tu vois, et les cocos taillés. Il pense à Eto'o. Hein? Eto'o est partout. Eto'o est en Europe, en Afrique, en Égypte, en Amérique. Eto'o est partout. Eto'o, non. Eto'o, toi, tu es partout. Maintenant, au pays, ouais, je suis fort. Au pays. Eto'o, moi, Eto'o, tu es le meilleur. Dans ton pays, Eto'o, tu es le meilleur. Ils ont brûlé ta maison. Oh. Faut laisser les Camerounais vont demander pardon. Actuellement, les Camerounais pleurent. Et voici, on va construire une maison pour Eto'o. Tu n'as pas besoin de construire une maison pour Eto'o. Papa Eto'o n'a pas besoin de maison de Cameroun. Si tu veux construire une maison Cameroun pour Eto'o, tu vas prendre tout le Cameroun. Voilà, tu vois, comme ça, pourquoi Eto'o est parti là-bas, j'ai dit non, tu vois, c'est les bénévolats parce que papa Eto'o, lui, il a déjà fait pour des géants. Je te dis que j'ai un petit que Eto'o en vrai qui joue au Barcelone, s'il le laisse là-bas, vraiment, Michel a avoir des problèmes. Je te dis que, donc, le petit a dû partir quelque part. Tu vois, non, voilà. Je suis désolé. Parce que le petit, là, c'était un attaquant. Je dis, quand je le vois là-bas, ils l'ont levé un match seulement. Je dois aller regarder. Maintenant, il y a un Ivoirien que... Drogba, là, c'est ça, me fait mal. L'Ivoirien, en fait, c'est la première... Je sais pas pourquoi, mais c'était la première fois. Je regardais. C'était la première fois. Coupe du Monde U20. C'est la première fois. J'ai vu le petit. Ah! Le petit a mis 4 buts à la France. Au moins, c'était en Angleterre. C'est une équipe pas possible que la Côte d'Ivoire même de Thierry pas gagner. Et imagine, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas la France de Zidane, c'est la France de Thierry Henry que toutes les stars en Côte d'Ivoire n'ont pas pu gagner. Donc ce petit là, il a fait un peu la joie de l'Ivoire. À partir de Tottenham, je l'ai suivi et puis je ne sais pas. J'étais bien en forme. C'était un Ronaldo ivoirien. Il avait la stabilité en lui. Tu vois, comme un Africain, il avait un peu mon visage, mais il avait 18 ans. Ouais. Comme ça. Moi, j'ai dit à mon ami, Zidane est devenu superstar quand il était chauve. Il n'y avait pas de cheveux sur mon gars. Donc, il n'y avait pas de cheveux sur mon. Sinon, je suis le meilleur joueur de la France. Et sur toutes les années. Il n'y avait pas de cheveux. Et puis, il est devenu. Même Neto Neto. Voilà. Neto Neto, Nedved est devenu meilleur joueur. Ballon d'or devant Zidane, devant Trezeguet, devant tout le monde. Ce n'était pas possible. Mais voilà, ça vient avec la formation. Voilà pourquoi Zidane est resté plusieurs années en France pour former les gars comme Ribéry qui sont devenus des ballons d'or, et Thierry qui sont devenus des ballons d'or, Malouda et tout le monde. Kanté, je ne sais pas, Kanté peut-être, c'est des ballons d'or. Donc il faut que Drogba et Eto'o, comme il le fait, Eto'o continue. Il faut que Drogba s'installe en Côte d'Ivoire. Oui. Je ne vais pas comprendre que Obama est, vient de Chicago et il a Washington DC. Qu'est-ce que tu veux faire? Viens, on va rouler dans les rues. Je suis dehors, il n'y a pas de sécurité. J'ai envie de sortir et courir.
désolé. Donc, il faut que Drogba reste en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, ça va prendre un peu plus de temps. Parce que j'ai mon cœur qui me fait un peu mal. Désolé. Il faut que Drogba pour un peu distrait. Pour que Drogba vienne en Côte d'Ivoire. Il faut que Tizé Jean-Jacques, le Coupe à Paris, en train de les gagner. Parce qu'on n'a pas encore vu un gagner comme Coupe à Paris dans la poteau. Et son vétéran Tizé Jean-Jacques. Il était impossible. Bon. Le nouveau gardien qu'on a eu, lui, il avait déjà des éléments pour s'imposer partout. Voilà. Comment il s'appelle l'homme? Quand je l'ai vu, elle dit, toi, tu es une superstar. Voilà. Je ne l'avais pas, tu as vu. Mais le Tizé Jean-Jacques, il avait quelque chose que lui n'avait pas. Voilà. Donc, pour quitter de là, Copa Barry, avec sa taille des académiciens, c'est-à-dire lui, il a gardé sa taille des académiciens pendant toute sa vie. Mais il était une superstar toute sa vie. Tu vois pas? Donc, ces gens-là, c'est impossible. Voilà, ils sont uniques. Tizé Jean-Jacques, en fait, c'était une version améliorée de Copa. Si tu me dis que Tizé a entraîné Copa, oui. Voilà, parce que Tizé, déjà, il avait... En fait, vous savez, lorsque tu sais que tu es fort, et puis tu as l'âge, tu es vétéran comme Zidane, tu te calmes. Voilà, c'est ce que Tizé avait. C'est-à-dire que quand Tizé plonge, il bloque le ballon, il ne veut pas te montrer que c'était facile. Tu vois un peu, donc il bloque et puis il tape en bas et puis s'en va. Maintenant, tu vois Copa Barry. Quand lui plonge comme Tizé, il prend et puis il jongle. Maintenant, lorsque tu viens et tu baptises, tu vois, en fait, il jongle le ballon. Quand il vient, il te baptise et puis il prend le ballon. Tu vois un peu. Voilà. C'est comme ça, je sais que Manuel Neuer est le meilleur gardien de tout le temps. Enfin, il n'y a pas de différence. Si Copa Barry, parce que Copa peut jouer partout. Copa Barry peut jouer au milieu, à gauche, à droite. Là. Mais si Copa Barry, avec la taille de Neuer, il allait être au Real Madrid. Il n'y a pas de différence. Parce que c'est le Real Madrid prend des joueurs comme ça. Ouais. Parce que le Real Madrid n'a pas encore eu un gardien comme Neuer. Jamais. Je suis dans un les Casillas que j'aime beaucoup. Oui, quand ils ont eu beaucoup de... Il y avait Barthez, Fabien Barthez, oui, c'était fort, mais il n'y en a pas. Voilà. Comme Copa, il n'y en a pas, et puis il n'y aura jamais comme Manuel Neuer, jamais. Il n'y aura jamais un gardien sur la terre, même chose comme Manuel Neuer. Yeah. Peut-être ça va venir, mais... Donc Copa, il était unique, il avait la petite taille, mais il prenait des ballons partout. Donc il faut venir enseigner, tu vois un peu, c'est comme toute l'Afrique, il faut venir enseigner. Essayer. Michael Essien ne doit pas rester, il doit rentrer au Ghana. J'ai vu Michael Essien quelque part, à la Coupe de l'Afrique, à la Coupe d'Afrique. J'ai regardé un match du Ghana, en Coupe du Monde, j'ai vu Michael Essien dans le... Ok, Michael Essien là, au Ghana, je l'ai vu. Il ouais. Faut que ces joueurs-là, John Obi Mikel, ils viennent. Ouais. Et il faut que des joueurs comme Nwankwo Kanu, ils viennent. Eminike, ils viennent. Parce que Eminike, il a fait la joie de l'Afrique tout entière. Eminike. Ouais. On est là, blablabla. Et le petit Eminike. On dit qu'on est Nigeria, on connaît au coach. C'est qui au coach? Eminike. Et puis mon gars, qui ressemble à Burna Boy. Ouais, il a joué à Liverpool. Il faisait des ravages. Je l'ai pris comme mon gars. Il n'est pas à Chelsea, il faisait encore des ravages. Bon, je ne sais pas où il est parti, il s'est perdu. Quand tu joues bien, ok? Donc, j'aimerais que cette Coupe d'Afrique soit bien, bénie. Pas de parla, pas de problème dans les stades. Je ne veux pas qu'un Ivoirien fasse des problèmes. Si un Ivoirien fait des problèmes, vous le chicotez. Parce que normalement, on ne peut pas faire de problème dans le stade. Et si une force de l'ordre, quelque part, fait un problème... Il faut que son supérieur vienne le chercher parce que les hommes ne peuvent pas porter la main à
une force, je sais pas, un militaire ou quoi. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas attaquer un policier. Non, tu ne peux pas. Voilà. Si le policier est là, tu sais que oui, tu vas frapper le policier. Oui, tu sais que tu peux l'assommer. Non. Tu parles avec lui. Voilà. Maintenant, s'il veut, tu le bloques. Tu vois, il y a des manières de bloquer. Oui, tu sais que tu peux, mais il faut le bloquer. Tu le bloques, parce que beaucoup de personnes viennent et puis vous le bloquez. Comme ça, son supérieur revient. Quelqu'un appelle. Quelqu'un appelle parce qu'il est en train de dégénérer. Et toi, en tant que force de l'ordre, tu ne peux pas aimer la bagarre parce que tu as bien un truc. Et quoi, en Côte d'Ivoire, il faut seulement les faire porter des tenues en treillis qui font peur, oui. Parce que nos généraux font peur déjà. Ouais. Mais lorsque tu portes la main à quelqu'un, tu ne fais plus peur. Voilà. Parce que voilà, tu es un humain comme nous. Voilà. Parce que le treillis est là pour te respecter. Donc, il faut faire porter des treillis uniques aux forces de l'ordre pour cette Coupe d'Afrique. Voilà. Comme ça, tout le monde voit une face unique de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas militaire, il n'y a pas policier, il n'y a pas truc.